Renouvelle la minuterie, je bouge pour faire genre que je fais un truc. Bon là c'est à peine évident ce qu'il faut faire vu ce qu'on a vu déjà tout à l'heure. Voilà, c'est bien. L'autre il est occupé à flipper là. Plus de puissance. Il planque tout ce qu'il veut là-dedans, c'est un truc de malade. Alors dans le contexte, je doute que Lee lui ait dit « Ah, pour utiliser ce pouvoir, tu maintiendras la touche d'espace enfoncée. » Mais bon, c'est toujours pareil dans les jeux, hein. C'est pour rien. Voilà, donc ça m'a donné un tir plus puissant que je peux charger. Enfin, plus puissant si je le charge. Ah, je voulais faire une démo, mais une cinématique. Ouais, courage fuyon. Merci Globox. Alors, bah, je peux charger un tir et faire un super tir. Et entre autres, ça a changé encore la couleur des tirs. C'est magnifique. On est passé du blanc au bleu et du bleu au jaune. Ah. Aïe. Ouais, donc c'est bien, on a un super tir, mais... Bon. Il... Ah bah bravo, il s'est scratché quoi. Contre l'arbre, j'avais jamais capté. Hop là. Donc, ce tir, il est plus ou moins utile. Ça dépend vraiment des situations parce qu'il est quand même long à charger. Voilà. Il est temps d'aller chercher l'autre là. Il est parti se planquer. Ça y est, et fini. Voilà, il n'y a plus de méchants. C'est plus beau en jaune. Jaune doré. Alors, vu le bruit de la danse, je suis sûr qu'on pourrait mettre une autre musique dessus. Ce serait fun aussi. Ouais, ça pourrait le faire. Ah mais ils se téléportent devant moi, ils sont tous planqués dans le sol on dirait. J'ai perdu beaucoup de vie à cause de l'araignée de tout à l'heure. Mais je ne m'abaisserai pas à faire un niveau bonus. J'ai un doute quant à la quantité de lumps. Non, vraiment. Ah bah je me disais bien. Hop là. La tête des super lumps, c'est juste épique. Voilà. Ta 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 ta. Voilà. Nous avons... Oh, j'ai encore oublié l'autre. Écoutez ça, il claque des dents. Il n'a même pas de dents. Allez. Pom 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 pom. Système de sécurité.
Que va-t-on faire? Ah ah, un buisson. Bah alors? Oh. Ah. Oui. Et voilà. C'est tellement discret. Par contre, le Globox, ils s'en foutent complètement. C'est leur indésirable numéro 2. C'est leur prisonnier, mais... Mais bon, c'est pas grave. Bah, visiblement, c'est courant, les buissons à gros nez. Boum, 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 boum. Hey, hey. Et la dernière cage et la porte à côté, c'est beau. Ah ah, il y a une copine en plus. Oh, la danse de Rayman, je pense que si on pourrait la changer, ça pourrait être drôle. Avec le bon son. Mais bon, faut trouver quoi. Voilà. Donc on a retrouvé Globox, c'est magnifique. On peut se concentrer sur la quête principale. Les masques. Non, je ne veux pas faire le stage bonus, mais on est obligé d'y passer. Oui, je sauvegarde. Et niveau suivant, nous sommes à la baie des baleines. C'est le crépuscule. J'ai vraiment pas beaucoup de vie, un truc de malade. Bon, nous allons rencontrer un nouvel ennemi. Il se cache juste derrière ce mur, mais moi je suis trop intelligent. Je vais faire le tour. Murphy, je sais pas d'où il sort son conseil, je sais même pas où il est. Un lubs dans un coffre. Je peux me tirer sous l'eau. Rayman, il est waterproof. I am bulletproof. Pardon. Hop. Ouais, j'avais un petit doute sur ce qu'il fallait faire. Ouais, donc je vais pas vous le montrer parce que j'ai vraiment pas beaucoup de vie. Bon alors, en partie. Voilà, c'est un mec dans un tonneau. Comme ça. Il suffit de le spammer du coup. Je fais un bruit vachement bizarre. Genre moulou moulou. C'est énorme. De toute façon, qu'est-ce qui n'est pas énorme dans ce jeu? Donc on a activé l'interrupteur. Sympa, ça fait niveau un peu aquatique ici, c'est marrant. Alors en bas, il n'y a que des lumières rouges. Bon, vu que j'ai quand même pas énormément de vie, j'aurais... Bon allez, un mini détour. Ah, c'est chronométré. Oh le fourbe. Ah allez. En fait j'ai perdu encore plus de vie, j'ai l'impression. Ou pas. Enfin c'était pas prévu. En même temps je suis jamais allé récupérer les lumes ici. Et là bien sûr il y en a des jaunes en bas. Il faut y aller. Bon cette fois je connais cet endroit. Hop. Le bon qu'il peut faire. On a de la volonté quand on a faim quand même. Enfin, quelle idée de bouffer Rayman, il y en a qui veulent manger un peu n'importe quoi.
une baie avec une reste de bateau. Hâte de bouger. Et voilà. Ça, c'est de l'action. Alors, porte fermée. Je n'oublie rien. On va en face, il me semble, et il doit y avoir un interrupteur. Et oui, il y a un interrupteur. Porte ouverte, ça c'est bien. Là il y a des tonneaux peut-être. Voilà. Oh, j'admire la sécurité des pirates. En même temps je dis ça mais je me fais à chaque fois avoir. Ah, feignant. On dit rien. Ouais, petit lumse rouge. Bon lui c'est évident qu'on va se le faire en deux coups. Pas. Ah mais... Oh non, la portée qui est trop faible. Ah, ça lui a rien fait le premier tir en fait. Oula, il est au corps à corps lui. Lag. Alors, sûrement une porte à exploser. En fait, j'aurais pu me servir du tonneau pour avoir le pirate. Faut pas penser. Regardez ces portes fermées. Ça c'est un bâtiment, ça c'est une porte et en fait c'est... Ils ont beaucoup de bâtiments placards j'ai l'impression, les pirates. Ils ont construit ce truc juste pour mettre une cage. Y'a rien. J'espère que je n'oublie rien. Pire, ça fera rien pour vous vu que je fais des transitions mais bon c'est... C'est bien de tout avoir dans la vidéo, c'est bien. Oh, de l'eau, une plage. Murphy. Carmen, la baleine. Ouais, là, c'est quand même plus glauque, comme... Autant les autres, on les enferme dans des cages et tout, c'est horrible, mais là... Ils veulent tuer la baleine et prendre sa graisse pour huiler les moteurs de leur vaisseau, quand même. Je sais plus où il faut aller. C'est quand même terrible ça. C'est terrible. Bon là on peut pas y aller. Elle aussi là, elle a une tête pas mal là, avec un œil plus grand que l'autre.